Chapitre 23, Suite des récits de Nestor Dans la série des légendes fantastiques racontées par Nestor, l'histoire de Bélérophon fut suivie, dans l'ordre, par celle de Otos et Éphialtes, Glaucos et Scylla, Cadmos, Aristée, Callisto, Ibicos et les grues, Orion et enfin Salmoneï. Ces légendes sont trop familières à mes lecteurs pour que je leur fasse l'injure de les leur raconter ici. Elles risqueraient d'ailleurs de produire à la longue, comme ce fut le cas chez les rois grecs, une impression de répétition et de monotonie. Lorsque Nestor s'aperçut, en racontant la légende de Salmonée, que l'attention de ses auditeurs se relâchait quelque peu, et que, à l'exception de Ménélas, qui était insomniaque depuis la fuite d'Hélène, ils dormaient tous à poing fermé. Il décida de changer de répertoire et d'entamer dès le lendemain la série des aventures vécues, c'est-à-dire de celles auxquelles il avait participé lui-même dans sa jeunesse. Le premier récit de cette nouvelle série fut la conquête de la toison d'or, appelée parfois aussi Jason et les Argonautes. Lorsque Jason naquit, son père, Aesson, était roi d'un petit état du Péloponnèse. Quelques mois après la naissance de Jason, Aesson fut dépouillé de son trône et exilé par son propre frère, nommé Pélias. Craignant pour la vie de son fils, la mère de Jason s'enfuit avec lui et se cacha dans un pays voisin. Pendant seize ans, personne ne contesta le pouvoir de Pélias celui-ci vivait pourtant dans une perpétuelle inquiétude depuis qu'un oracle lui avait recommandé de se méfier d'un homme qui viendrait le voir chaussé d'une seule sandale c'est la raison pour laquelle lorsque pélias recevait un visiteur au lieu de le regarder dans les yeux comme l'exigeait la courtoisie il le regardait aux pieds lorsque jason eut seize ans sa mère lui apprit qu'il était l'héritier légitime d'un trône et lui conseilla d'aller le réclamer à l'ursupateur jason partit à pied pour la capitale de pélias et en chemin l'une de ses sandales se rompit il la laissa au bord de la route et termina son voyage en boitillant à peine était-il arrivé au palais de pélias que celui-ci remarquant un étranger chaussé d'une seule sandale le faisait arrêter par ses gardes et comparaître devant lui qui es-tu et que cherches-tu ici lui demanda-t-il. Je suis ton neveu, Jason, et je suis venu te réclamer le trône que tu as usurpé à mon père. Pélias aurait pu mettre Jason en prison, ou même le faire exécuter, mais il crut pouvoir se débarrasser de lui d'une manière plus habile et plus élégante. À mon âge, dit-il à Jason, je suis tout disposé à abandonner le pouvoir. Et à te le confier, mais il faut d'abord que tu me prouves que tu en es digne. Pour cela, il te suffira d'aller conquérir la toison d'or. La toison d'or était la fourrure d'un bélier fabuleux qui avait quitté jadis le royaume de Jason pour aller mourir dans un pays lointain, situé sur les bords de la mer Noire. Le roi de ce pays détenait cette précieuse relique, et malgré des demandes pressantes d'Aesson, puis de Pélias, avait toujours refusé de la rendre en imposant à Jason un voyage aussi long et une mission aussi hasardeuse, Pélias était bien convaincu de ne jamais le revoir. Avec l'inconscience de la jeunesse, Jason accepta le marché. Pour accomplir ce voyage, il avait besoin d'un navire et d'un équipage. Il fit construire le navire par un architecte renommé et entreprit de recruter l'équipage en faisant apposer dans les principales villes de Grèce, une affichette annonçant le prochain départ de l'expédition. Alléchés par la perspective de participer à un exploit historique, certains des plus grands héros de l'époque se portèrent volontaires. Hercule fut le premier à se présenter, suivi de peu par Thésée et Pirithous, puis par Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène, Orphée, qui était à l'époque le plus fameux musicien de la Grèce, demanda aussi à participer au voyage. Parvenu à ce point de ce récit, Nestor se tourna vers Achille. « Ton père, Pelé, qui n'était pas encore marié, fut lui aussi de l'expédition. Puis il se tourna vers Ajax. « Ton père, Télamon, en était lui aussi, ainsi que moi-même, ajouta-t-il modestement. Le navire fut appelé Argo, du nom de son constructeur, et les membres de l'équipage se baptisèrent eux-mêmes les Argonautes. Au cours du voyage jusqu'aux rives de la mer Noire, qui dura plusieurs mois et fut fertile en incidents, l'équipage perdit trois de ses principaux membres. Hercule, qui avait été le premier à s'enrôler, fut le premier à faire défection. Son écuyer s'était égaré, au cours d'une partie de chasse, dans une île où il faisait escale. Hercule partit comme un fou à sa recherche et ne réapparut plus. Après l'avoir attendu quelques jours, les Argonautes durent appareiller sans lui. À l'escale suivante, ce furent Castor et Pollux qui disparurent, et pour un motif plus grave. Vous vous souvenez sans doute que, bien qu'ils fussent les fils jumeaux de Léda, ils n'avaient pas le même père. Castor était fils de Tindare, l'époux légitime de Léda. Et Pollux, avait été conçu par Jupiter, déguisé en cygne. Il en résultait que Castor était mortel et Pollux immortel cela ne les empêchait pas d'éprouver l'un pour l'autre une affection fraternelle exemplaire. Au cours d'un combat mené par les argonautes contre une peuplade sauvage, Castor fut tué. Désespéré par la perte de son frère, Pollux abandonna l'expédition pour aller voir son père, Jupiter, et lui demandait de rendre la vie à Castor. Jupiter ne put accéder à cette requête. Pollux proposa alors, et obtint, de partager sa propre immortalité avec son frère, à tour de rôle. Chacun passerait six mois aux enfers et six mois sur l'Olympe, mais ils ne seraient plus jamais ensemble. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils furent enfin réunis au ciel, dans une même constellation, celle des Gémeaux. Orphée, le musicien, joua un rôle important au cours du voyage. Lorsque les Argonautes étaient lasses de ramer, ses chants bien rythmés leur redonnaient du courage et des forces. Lorsqu'une dispute s'élevait entre eux et qu'ils menaçaient d'en venir aux mains, les accents apaisants de sa lyre ramenaient l'harmonie. Surtout, ce furent les talents musicaux d'Orphée qui sauvèrent les Argonautes du péril mortel des sirènes. Les sirènes étaient trois divinités marines, au corps de requin et au buste de femme, dont l'alimentation se composait exclusivement de chair humaine. Leur voix était si envoûtante et leur chant si mélodieux qu'en les entendant chanter, les marins devenaient fous et se jetaient à la mer. Ils étaient aussitôt dévorés par les sirènes et leurs eaux blanchissaient sur une plage. Avec les Argonautes, cependant, les choses se passèrent d'une manière fort différente. Dès que se firent entendre dans le lointain les premiers accents du chant des sirènes, Orphée, prenant sa lyre, se mit lui aussi à chanter. Et, pour une fois, ce furent les sirènes qui eurent le dessous. Charmées par le chant d'Orphée, elles se mirent à tourner autour du navire, comme de vulgaires dauphins, en effectuant des sauts gracieux au rythme de la musique et en attrapant au vol les poissons que leur jetaient les argonautes. Après quelques heures de ce spectacle, Orphée cessa de jouer et les sirènes, piteusement, reprirent le chemin de leur île. Après avoir surmonté bien d'autres épreuves, les argonautes arrivèrent enfin en Colchide, où régnait Aétès. Celui-ci reçut courtoisement Jason et lui demanda quel était l'objet de sa visite je suis venu chercher la toison d'or lui répondit jason aétès n'avait pas la moindre intention de s'en dessaisir mais il souhaitait éviter si possible une épreuve de force je suis prêt dit-il à te donner la toison d'or mais à condition que tu accomplisses préalablement un exploit difficile tu devras atteler à une charrue deux taureaux sauvages aux sabots de bronze et au souffle de feu tracer un sillon semer les dents d'un dragon et te débarrasser des géants qui naîtront instantanément de cette semence magique. Jason, qui n'avait pas l'âme d'un héros, était profondément découragé lorsqu'il retourna au bord de l'argot où l'attendaient ses compagnons. Ce fut Thésée cette fois qui vint à son aide. Il s'était trouvé lui même dans une situation analogue lorsqu'il avait dû affronter en Crète le Minotaure. Il put ainsi Faire profiter Jason de sa propre expérience. La seule façon de t'en tirer, lui dit-il, est de séduire la fille du roi Aétès et de te faire aider par elle. Aétès avait en effet une fille, jeune et belle, nommée Médée, qui possédait des pouvoirs magiques. Au cours du dîner qu'offrit Aétès en l'honneur des Argonautes, Jason, placé à côté de Médée, suivit les conseils de Thésée. Il déploya tous ses charmes et fit la conquête de la jeune fille. À la fin du repas, prenant congé d'elle, il lui dit tristement Je ne te reverrai plus, car je périrai certainement dans les épreuves que je dois affronter demain. Quelques heures plus tard, avant que le jour ne se levât, Médée quittait furtivement son palais et allait rejoindre Jason à bord de son navire. Par amour pour toi, dit-elle J'ai décidé de trahir mon père Je t'apporte un longan et une pierre magique Si tu t'enduis le corps de longan les taureaux ne te feront aucun mal et se soumettront docilement à tes ordres Tu jetteras ensuite la pierre au milieu des géants qui sortiront du sol Ils tourneront alors leurs armes les uns contre les autres et s'extermineront mutuellement En échange de ce service Promets-moi seulement de m'emmener avec toi et de m'épouser. Jason promit tout ce qu'elle voulut, bien décidé au fond de lui-même à se débarrasser d'elle aussi vite que Thésée s'était débarrassée d'Ariane. Le lendemain, Jason suivit à la lettre les instructions de Médée, et tout se passa comme elle l'avait prédit, sous cette seule réserve qu'Aétès, vexée par la victoire surprenante de Jason, revint sur sa promesse et refusa de livrer la toison d'or. Une seconde fois, Médée vint au secours de Jason. Au cours de la nuit suivante, accompagnée de son jeune frère, elle se rendit dans le bois où la toison d'or était suspendue à un être sous la garde d'un redoutable dragon. Pendant qu'à l'aide d'une formule magique, elle charmait le dragon, son frère décrochait la toison. Ensemble, ils la rapportèrent à Jason et s'embarquèrent à bord de l'Argot qui appareilla aussitôt. Lorsque, quelques heures plus tard, Aétès constata simultanément la disparition de la toison d'or, de sa fille et de son fils, il n'eut pas de peine à comprendre ce qui s'était passé. À la tête d'une troupe nombreuse, il embarqua à bord d'un voilier rapide et se lança à la poursuite des fugitifs. Se voyant sur le point d'être rattrapé par son père, Médée, dont l'amour pour Jason, touchée à la démence, commet alors la première d'une longue série d'atrocités qui devait la rendre tristement célèbre. Elle coupe son jeune frère en petits morceaux qu'elle jette par-dessus bord. Pour recueillir et rassembler les restes de son fils, Aïtès est contraint de délicates manœuvres nautiques qui lui font perdre un temps précieux. Lorsqu'enfin il retrouve la dernière pièce du macabre puzzle L'argot a disparu à l'horizon. Grâce au pouvoir magique de Médée, le retour de l'argot fut plus rapide et plus facile que ne l'avait été l'allée. Arrivés à destination, c'est-à-dire au royaume de Pélias, les argonautes se séparèrent, non sans s'être promis solennellement de se réunir une fois par an pour évoquer leurs souvenirs communs, ce qu'ils ne devaient, naturellement, jamais faire. Jason, pour sa part, se rendit chez son oncle Pélias, lui remit la toison d'or et réclama le trône. Comme on pouvait s'y attendre, Pélias se fit tirer l'oreille et chercha à gagner du temps. Médée, prête à tout pour défendre les intérêts de Jason, prend alors l'affaire en main. Elle va trouver un soir les deux filles de Pélias et leur dit Votre père est vieux et malade. Vous ne tarderez pas à le perdre. Je puis cependant, si vous le souhaitez, lui rendre jeunesse et vigueur par une opération magique. Je vais vous en faire, à l'instant même, la démonstration. Médée remplit d'eau un gros chaudron, y verse du sel et diverses plantes, et porte le tout à ébullition. Elle égorge un très vieux bélier qui pouvait à peine se tenir debout, et en jette les morceaux dans le chaudron bouillonnant. Elle récite alors une formule magique, et, à leur stupéfaction, les filles de Pélias voient sortir du chaudron un jeune agneau qui part en gambadant. Je peux faire la même chose pour votre père, commente Médée, à condition que, profitant de son sommeil, vous l'égorgiez et le découpiez comme je l'ai fait pour le bélier. Crédules, les jeunes filles exécutent aussitôt les instructions de Médée. Et lui apporte les morceaux de Pélias, Médée les jette dans le chaudron et prétend alors avoir complètement oublié la formule magique qui lui a servi pour le bélier. Mais peu importe, ajoute-t-elle cyniquement, vous allez pouvoir vous régaler d'un excellent pot-au-feu. Grâce exclusivement à l'aide de Médée, Jason, qui n'était lui-même qu'un bellâtre fallot et égoïste, avait donc reconquis son trône et acquis une réputation de héros. Bien qu'il fût loin d'éprouver pour Médée des sentiments aussi ardents que ceux qu'elle avait pour lui, il ne lui manifesta pas instantanément son ingratitude. Il accepta même de l'épouser, et elle lui donna deux enfants. Mais quelques années après, au cours d'un voyage qui est fit à Corinthe, il séduisit la fille du roi, et, jugeant qu'elle serait pour lui un excellent parti, annonça à Médée dès son retour, qu'il la répudiait. Il était prêt, disait-il, à lui servir une pension alimentaire honorable. Tu me prends pour Ariane, lui dit-elle simplement, mais je ne suis pas faite du même bois qu'elle. Elle commença par faire cadeau à la nouvelle fiancée de Jason d'une robe empoisonnée, dans laquelle la jeune fille périt comme Hercule. Puis, elle mit à mort les deux enfants qu'elle avait eus de Jason. Elle quitta alors Jason, le laissant à son chagrin. Et poursuivit pendant plusieurs années, dans divers états de la Grèce, une brillante carrière de magicienne et d'empoisonneuse. Lorsque Nestor eut terminé ce récit, ses auditeurs voulurent savoir quel avait été le destin ultérieur des principaux membres de l'équipe des Argonautes. Certains d'entre eux n'ont-ils pas participé à la chasse aux sangliers de Calydon du temps de mon grand-père demanda Diomède. Sans doute, répondit Nestor un peu sèchement, mais cette histoire ne présente aucun intérêt. En fait, l'histoire du sanglier de Calydon n'était pas plus ennuyeuse que beaucoup de celles qu'avait racontées Nestor mais il se trouve que lui même y avait joué un rôle peu reluisant. Effrayé par le sanglier monstrueux, il s'était servi de sa lance comme d'une perche pour se propulser sur une branche d'arbre à quatre mètres de haut, D'où il avait observé passivement les péripéties sanglantes de la chasse. Il accepta en revanche, bien volontiers, de raconter à ses auditeurs les aventures d'Hercule et de Thésée, que mes lecteurs connaissent déjà, ainsi que celles d'Orphée, qu'ils ne connaissent pas encore. Après son retour de Colchide, Orphée mena pendant quelque temps la vie dorée d'un grand virtuose, se produisant avec un immense succès. Dans tous les cours de Grèce et même sur l'Olympe, où il se fit d'utiles relations. Il tomba un jour amoureux d'une de ses admiratrices, une jeune fille nommée Eurydice, et s'apprêtait à l'épouser lorsqu'elle mourut brusquement d'une morsure de serpent. Le chagrin d'Orphée fut tel qu'il ne put trouver aucune consolation, même dans la musique. Il résolut alors de descendre aux enfers. Pour réclamer la restitution de sa fiancée. Pour un simple mortel comme Orphée, pénétrer vivant aux enfers était une entreprise d'une extrême difficulté. Il fallait d'abord descendre par un gouffre profond, dans les entrailles de la terre. On arrivait alors à un large fleuve, l'Archéron, affluent du Styx. On ne pouvait le traverser que dans une barque conduite par un vieillard. Farouche et barbu, qu'on appelait le nocher Charon. Celui-ci ne prenait en principe à son bord que les défunts, et encore, à la double condition qu'ils eussent reçu les honneurs funèbres et qu'ils portassent dans la bouche une pièce d'argent pour payer le prix de la traversée. Parvenu sur l'autre rive, on entrait aux enfers par une large porte gardée par Cerbère, le chien aux trois têtes. Les défunts passaient alors devant trois juges, appelés Minos, Éac et Radamante, qui avaient été nommés à ce poste par Pluton, après avoir régné chacun d'une manière jugée exemplaire sur un état important de la Grèce. Ces trois juges faisaient un tri entre les bons et les mauvais défunts. Les premiers étaient autorisés à mener une existence fade et immatérielle, mais supportable, dans les champs Élysées. Cependant, que les seconds étaient condamnés à subir des supplices éternels dans le Tartare. Entre les Champs-Élysées et le Tartare se trouvait le palais de Pluton et de Proserpine, les souverains du royaume des morts. Bien qu'il ne remplît aucune des conditions requises pour entrer aux enfers, Orphée réussit à passer tous les barrages grâce à ses talents musicaux. Le Nocher Charon. Se fit payer la traversée par une sonate. Cerbère, charmé par la voix d'Orphée, lui lécha les pieds. Les trois juges, s'appuyant sur deux précédents illustres, ceux d'Hercule et de Thésée, délivrèrent un sauf-conduit à Orphée, qui se présenta enfin à Pluton et à Proserpine. Ceux-ci se souvenaient parfaitement du récital qu'avait donné Orphée sur l'Olympe, et lui firent le meilleur accueil. Par le Styx, lui dit Pluton, je m'engage à t'accorder toute faveur que tu me demanderas. Rendez-moi Eurydice, lui répondit Orphée. Pluton ne put refuser. Il demanda seulement à Orphée de lui faire l'honneur de passer quelques heures sous son toit et de lui donner un concert privé le soir même. En attendant, ajouta-t-il, Proserpine te fera la visite du tartare. Tu verras, c'est très pittoresque. Ne disposant que de peu de temps, Proserpine proposa à Orphée de se limiter aux trois principales attractions du Tartare le rocher du Sisyphe, le tonneau des Danaïdes et le supplice de Tantal. Sisyphe, commença-t-elle en récitant le texte officiel des Guides des Enfers, était un commerçant astucieux, de l'espèce que l'on appelle les accapareurs. Il avait fait fortune en achetant une année la totalité de la récolte de blé de son pays, et en la revendant ensuite à prix d'or. Il crut pouvoir appliquer la même méthode dans un autre domaine. Par des moyens mystérieux, il réussit à se rendre maître de deux fils de la nuit Hypnos et Thanatos le sommeil et la mort. Les hommes se trouvèrent dès lors dans l'impossibilité de dormir, ce qui les gênait beaucoup, et de mourir ce qui les gênait moins, mais ne faisait pas l'affaire de Pluton. C'est sur l'intervention de Pluton que Sisyphe fut foudroyé par Jupiter et condamné aux Tartares à perpétuité. Comme tu le vois, expliqua Proserpine à Orphée, en lui montrant du doigt Sisyphe, son châtiment consiste à rouler péniblement un lourd rocher jusqu'en haut d'une colline. Au moment où le rocher va atteindre le sommet, il échappe des mains de et redescend jusqu'en bas de la côte. Ces troupes nombreuses de jeunes filles que tu aperçois un peu plus loin sont les Danaïdes. Elles étaient cinquante sœurs, filles du roi Danaïs, et avaient épousé le même jour, contre leur gré, les cinquante fils du roi d'Égypte. La veille de leur mariage, elles s'étaient réunies secrètement et avaient juré de se débarrasser de leur mari au cours de leur nuit de noces. Quarante-neuf d'entre elles poignardèrent leur époux comme convenu. La cinquantième, qui était la plus laide, ne put le faire, car son époux, dès le premier soir, avait découché. Les quarante-neuf criminels que tu vois ici occupés à puiser de l'eau à cette fontaine, sont condamnés à remplir éternellement un tonneau percé. Quant à Tantal, c'est vraiment le clou de notre spectacle. C'était un gastronome réputé, dont la table et la cave étaient les meilleures de toute la Grèce. Même les dieux de l'Olympe ne dédaignaient pas de se faire inviter par lui. Non content d'être considéré comme le plus fin gourmet de son époque, il se plaisait à humilier ses convives en leur démontrant leur propre incompétence. Il leur faisait prendre par exemple de la lotte pour du homard, ou encore après les avoir fait s'extasier sur un rôti de bœuf en croûte, il leur révélait à la fin du repas qu'il s'agissait en réalité de viande de cheval. Il poussa un jour la plaisanterie trop loin. Ayant à sa table Jupiter, Apollon et Cérès, il leur servit en rôti son propre fils Pélops, après l'avoir lui même égorgé et découpé en morceaux. Il voulait prouver au monde qu'il pouvait tromper les dieux eux mêmes Cérès, mourant de faim, fut servie la première et avala un morceau de Pélops sans s'apercevoir de rien. Mais Jupiter, à qui l'on ne peut rien cacher, découvrit bientôt l'atroce mystification. Son premier soin fut d'essayer de rendre la vie au malheureux Pélops, victime de l'orgueil insensé de son père. Laborieusement, Jupiter et Apollon assemblèrent et recollèrent les morceaux du corps du jeune homme. Il en manquait un seul, l'épaule droite, que Cérès avait mangée. Pour la remplacer, Apollon demanda à son fils, le célèbre Esculape, de fabriquer et de greffer sur Pélops une épaule d'ivoire, réalisant ainsi la première prothèse chirurgicale de l'histoire. Quant à Tantal, il fut condamné au supplice que tu peux observer, dévoré de faim et de soif. Il se tient debout dans l'eau d'un lac limpide qui lui arrive à la poitrine, juste au-dessous de lui. De superbes arbres fruitiers, de toute espèce, laissent pendre leurs branches chargées de fruits mûrs. Chaque fois que Tantal tend le bras pour cueillir un fruit, les branches s'écartent de lui. Et chaque fois qu'il se penche pour boire de l'eau, le niveau du lac s'abaisse suffisamment pour qu'il ne puisse l'atteindre. Cette rapide visite terminée, Proserpine revint au palais avec Orphée, qui donna de bonne grâce le concert qu'il avait promis. Pluton consentit alors à le laisser remonter sur terre en compagnie d'Eurydice, mais il y mit une condition. Tu marcheras devant, dit-il à Orphée, et, jusqu'au moment où vous serez sortis des enfers, tu ne te retourneras pas une seule fois pour regarder Eurydice. Orphée accepta et, suivi d'Eurydice, se mit en route. Cerbère les laissa sortir, sans même aboyer. Charon leur fit passer l'Archéron, sans réclamer d'oboles. Malgré son désir ardent de revoir le visage de sa bien-aimée, Orphée n'avait pas tourné la tête. Il ne lui restait plus qu'à gravir l'escalier qui remontait vers la surface. Lorsqu'il mit le pied sur la dernière marche, Orphée se retourna enfin. Mais Eurydice, elle, se trouvait alors sur l'avant dernière marche, qui faisait encore partie du territoire des enfers, et restait sous la juridiction de Pluton. Dès qu'Orphée eut jeté un regard sur elle, il vit son image s'estomper et se dissoudre. Il chercha à la saisir dans ses bras, mais n'étreignit que le vide. Désespéré, il redescendit l'escalier et voulut retourner chez Pluton. Mais, cette fois, Charon avait reçu des consignes strictes et se montra inflexible. Orphée remonta sur la terre et décida de se rendre chez. Les rois grecs ne surent jamais chez qui Orphée avait décidé de se rendre, car, au moment où Nestor allait le leur apprendre, le médecin-chef de l'armée grecque entra précipitamment dans la baraque où ils étaient assemblés et demanda à parler à Agamemnon pour une affaire urgente. Que se passe-t-il? lui demanda Agamemnon. Une épidémie de peste vient de se déclarer dans notre camp, lui répondit le médecin.